Je sais pas si vous le savez, mais dans le marché du hardware, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui achètent au prix le moins cher, et puis il y a un groupe de personnes qui vit un petit peu en retrait de la société, et qui achètent des vieux composants, finalement ne valent plus du tout leur valeur, et qui les achètent à des prix faramineux. C'est tout simplement parce qu'il y a certains composants hardware qui, avec le temps, eh bien, prennent de la valeur. Souvent, c'est des composants qui sont sortis pour des occasions particulières. Et si vous vous rappelez bien, on avait fait une vidéo il y a quelques mois sur le Ryzen 7 2700X qui était sorti pour les 50 ans de AMD. Et on l'avait acheté et il est d'ailleurs dans la petite vitrine juste ici. Et depuis quelques semaines avec Mathis, on est à fond dans la recherche justement des composants rares comme ça qu'on pourrait collectionner et mettre directement dans la vitrine. Pour l'instant, on a le processeur pour les 50 ans d'AMD. Si vous êtes toujours abonné dans 3-4 ans, eh ben, on verra bien si il aura pris de la valeur. S'il vaut 100 000 euros. C'est en faisant toutes ces recherches qu'on a commencé un peu à visualiser, voilà, quels composants deviennent rares, qu'est-ce qu'il y a comme composants qui finalement prennent de la valeur ou bien sont assez difficiles à trouver. Alors il y a des composants qui sont vraiment ultra rares et qu'il est très difficile de trouver. Et à part en chinant un peu sur des groupes Facebook ou quoi, c'est super dur de les trouver. Et nous, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait deux cartes graphiques, les Titan XP Jedi. Il y a une rouge et une verte, l'une qui est pour l'Empire Galactique et l'autre pour les Jedi. Et que ces deux cartes graphiques, finalement, qui n'ont l'air de rien, c'est des simples Titan XP, et bien finalement sont quand même assez rares. Ces cartes graphiques sont donc sorties en 2017 à l'occasion du nouveau film Star Wars et donc on a une quantité assez limitée, d'où la rareté du produit. Il n'y en a presque aucune sur le bon coin, alors c'est vraiment de la chance. Il y a la rouge qui est encore plus difficile à trouver, mais nous, celle qu'on a achetée aujourd'hui, eh bien c'est la carte verte et elle est juste là, on l'a même pas encore déballée. J'ai hâte, j'ai envie de déballer cette carte graphique, mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo ici. C'est vrai que c'est le genre de vidéo qu'on ne fait pas souvent. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est vrai qu'on le dit pas souvent par rapport à nos collègues youtubeurs. Mais voilà, n'hésitez pas, on vous laisse 5 secondes. Voilà, 5 secondes. Et en plus, il y a le PC à 5000 euros à gagner la semaine prochaine. Allez, merci. On a acheté donc la Jedi Order Titan XP chez Nvidia de 2017, 12 Go de VRAM. On a commandé donc chez un particulier. Hein, vous imaginez bien, il n'y a plus aucun magasin qui la vende. Comme on vous l'a dit, la seule manière de la trouver, eh bien, c'est d'aller chez des particuliers qui l'ont eu à l'époque. Normalement, pour ce modèle-ci, on a eu de la chance parce que la carte est dans sa boîte d'origine. Et c'est super important pour des composants comme ça qui prennent un peu de valeur ou des composants de collection d'avoir la boîte d'origine, si possible, qu'il n'y ait pas de coups ni rien. Donc j'espère que le transport l'a pas abîmé. Et normalement, la carte fonctionne. Parce qu'il y a moyen de collectionner des composants HS simplement, voilà, pour le produit en lui-même et pas pour les performances, mais avoir une carte qui fonctionne, c'est quand même mieux. En plus, la carte est dans une boîte vitrée, donc ça donne vraiment bien, vous verrez. Franchement, on a hâte, on a vu des photos défiler partout, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou même sur eBay. Elle est arrivée donc de France, on habite en Belgique, hein, pour rappel. On voit, ah non, c'est la rouge. Quoi? C'est la verte qu'on a acheté. Ah, c'est la rouge. Ah, c'est la rouge qu'on a acheté. Je sais plus. Voilà, excusez-moi. Oh, on est vraiment dedans. Je pensais qu'on avait acheté la verte. En fait, on a la rouge. On a la rouge. Encore plus belle la rouge. Et ouais. Je pense qu'elle vaut encore plus. Ouais. Et la boîte est magnifique. La boîte. Waouh. Star Wars Titan XP. Oh là là. La boîte est magnifique. Très bien emballée. Merci. Je sais pas c'était qui. Star Wars directement Galactic Empire. Donc c'est la rouge. Hein, ouais. Nvidia Titan XP Collector Edition. C'est dingue. Hein. Ça c'est. Ah, c'est le sticker d'origine. Oh, il est toujours là. Ah oui. Ah ouais. Attends, moi je vais pas le retirer. On va pas l'enlever. Franchement, on le recollait bien. On vous dira combien on l'a acheté à la fin, au niveau du prix, etc. On vous parlera du prix, des performances, et on fera un test en jeu, hein, parce qu'elle fonctionne normalement. C'est ça. Donc on va quand même essayer de la tester tout à l'heure. Donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir le prix, les performances. Oh là là. Wow. Attends. Wow. Oh ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Et on retire ça. Ouais, c'est juste du plexiglas. Wow. Mais... ah ouais, c'est un délire. On est vraiment sur un vaisseau spatial. Oh, elle est classe, hein. On est sur un vaisseau spatial. C'est une sorte de Founders Edition, mais un peu pimpé, quoi, tu vois. On dirait des enfants, le truc. On dirait des enfants qui découvrent un truc. Je vous jure qu'on est hypé en vrai, parce qu'on les connaît depuis longtemps. Ici, il est mis donc Mathis Titan X, mais c'est bien une Titan XP. Ouais, ouais, c'est un peu plus performant. Titan XP. Donc, ouais, elles sont sorties un peu après les Titans XP normal. Ils les ont sorties en Star Wars, mais plus cher. Du coup, il y a peu de gens qui les ont achetées. C'était pas forcément une carte super intéressante, mais elle commence à être de plus en plus rare et ça commence à être cool. Elle a que 3 ans, il y a des composants bien plus vieux qui existent, on pourra en reparler après. Et vous allez être étonné, hein, cool. Parce qu'elle est encore très performante, ouais. Et elle est équivalente quand même à une carte assez récente. À la sortie, cette carte graphique valait 1200 € sur le site d'NVIDIA.fr et voilà, comme vous vous en doutez, elle n'est plus à vendre. Et sur la carte verte, il est gris. Vraiment de la couleur des vaisseaux de Star Wars, vous voyez la couleur emblématique, un gris un peu fatigué des vaisseaux, et du coup, je trouve qu'elle est encore plus caractéristique. Mais on la voit là d'ailleurs. Ouais, ouais, elle est là. Ici donc c'est la rouge, donc elle va s'illuminer en rouge, et il y a marqué ici sur le côté Galactic Empire ouais. Alors que sur la verte, c'est pour les Jedi, c'est un peu comme la couleur des sabres, hein, les rouges et les verts. Et au niveau des broches d'alimentation sur la carte graphique, on en a donc 8 plus 6, donc au total ça nous fait 14 broches d'alimentation, ce qui est correct. Elle a 250 watts de TDP, ce qui est quand même beaucoup, hein, les Titans consommaient beaucoup. Alors aujourd'hui avec les 3000, on est encore largement au-dessus de ça, on est à 300-350, mais à l'époque c'était beaucoup. Et voilà.
Et on la met dans sa petite vitrine. C'est sympa quand même, hein. C'est sympa. C'est sympa, c'est mignon. Tant qu'on a votre attention, on tenait à donner un peu de force quand même à notre partenaire Cybertech. Avec la situation actuelle, les commerçants ont un peu du mal en ce moment, vous le comprenez bien. Et donc voilà, on donnait un peu de force à Cybertech. Ils vous proposent aujourd'hui plusieurs configurations, mais principalement une qui est très intéressante, c'est la Yizen, directement disponible chez Cybertech Concept Store. Paris. Comment les contacter? On vous mettra le Facebook et le Twitter. Vous pouvez les DM directement et ils livrent, je pense, en Belgique et en France. C'est ça. Sous les 48 heures, donc ça vaut vraiment la peine. C'est une configuration avec un Ryzen 5 3600, un excellent processeur, les 16 Go de RAM, SSD directement de 500 Go. Pour la graphique, donc c'est une RX 5700 XT, vous savez bien, une excellente aussi graphique. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'NVIDIA, mais on n'oublie pas les 5700 XT qui est équivalente à une 2070 Super. C'est ça, plus ou moins, hein, donc ça dépend des jeux. Ça vaut la peine. Tout ça pour le prix de 1199 €. Ça vaut vraiment la peine parce qu'on a Windows installé et surtout l'option montage, donc le PC qui est monté. Ils font aussi les PC watercoolés, donc voilà, je vous mets quelques exemples de ce qu'ils ont fait actuellement. Ils font du super bon travail. Donc voilà, si jamais vous voulez les soutenir plutôt que de commander toujours sur Amazon pour gagner 10 €, eh bien n'hésitez pas. Je pense vraiment que c'est une bonne chose à faire. Et n'oubliez pas aussi, hein, le concours du setup à 5000 €, les gars. Ouais. Ça arrive aussi très prochainement. Et c'est grâce à eux. C'est grâce au magasin à Paris, donc Cybertech Concept Store, qu'on peut faire ce concours, donc on peut les remercier. Je te propose de l'allumer directement, de voir le rétroéclairage, de voir comment elle tourne, de voir si elle est bruyante, de la tester en jeu. On y va, c'est parti. Allons la mettre dans un PC. Comme vous voyez, on a mis la carafique dans le PC directement. Alors comment ça tourne, Mathis? Premier test, t'es sur quoi là? Alors là, je suis sur Counter-Strike. Alors c'est pas un jeu très gourmand, c'était juste pour tester voilà ce que ça donnait. Et on a, comme vous pouvez le voir, alors là on est à 220, 230 FPS. Alors à quoi correspond cette Titan XP? Alors en termes de carte GTX, on est équivalent à une 1080 Ti, comme une 2080 quoi, environ. Donc voilà, finalement c'est très intéressant. Pour ce prix là Voilà, pour ce prix là c'est pas mal. On va quand même tester sur un jeu un peu plus gourmand, Mathis. Et puis voilà, on vous fera un petit verdict à la fin. Combien on l'a acheté et surtout, bah, est-ce que ça vaut la peine en 2020 d'acheter une Titan XP? On est maintenant sur Watch Dogs, le dernier Watch Dogs Légion. Ça tourne bien, mon pote? Ça tourne très très bien. On est en 1080p ici, donc full qualité. Et on peut voir ici avec FrameView qu'on est entre 70 et 80 FPS. On a aussi des petites infos sur le GPU, donc la carte graphique. On voit qu'elle est à 1822 MHz, donc très 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 belle fréquence. Ouais. Et au niveau de l'utilisation, on est entre 80 et 90%. Et puis pour la température, 70 degrés. Donc c'est assez correct. On teste maintenant en 4K, Mathis. On est à combien? 46-47 FPS. Ouais, donc voilà, c'est sûr que c'est moins évident. C'est plus une carte qui va être faite pour faire de la 2K à mon avis. Après voilà, c'est un équivalent à la 2080. Franchement, elle tourne très très bien. Et donc en plus d'être belle et collector, eh bien elle est pas mal performante. Comme vous avez pu le voir, cette carte graphique édition limitée Star Wars dégage vraiment des très très belles performances. On a été assez surpris, surtout pour le prix, vous allez le voir après, c'est assez intéressant. Alors au niveau du prix et de combien on l'a acheté, si vous allez aujourd'hui sur eBay ou sur d'autres sites de vente d'occasion, vous allez voir qu'il y en a un peu à tous les prix. Il y en a à 800, à 900. Nous, on l'a acheté à 700 € et c'est un prix qui est correct. Vous en retrouverez également à 650 ou 700 € aux États-Unis que vous pourrez vous faire envoyer si vous avez envie. Mais aujourd'hui en France, avec une carte qui fonctionne bien, etc., l'avoir à 700 €, c'est vraiment un prix qui est super correct. Et nous, on en est vraiment très contents. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe quel graphique. On peut quand même faire tourner tous les jeux à l'heure actuelle qui viennent de sortir. Nous, ce qu'on aimerait faire maintenant par la suite, c'est d'acheter la Jedi, donc la carte verte. Étant donné que là on a la Galactic Empire qui est donc la rouge. Il faut savoir qu'il y en a plein des composants collector. Il y en a beaucoup de marques différentes qui ont déjà fait ça. Mais après, est-ce que cette carte graphique là va prendre de la valeur directement? Alors directement, pas forcément. Elle pourrait d'abord continuer à baisser en prix. Elle va être de moins en moins intéressante avec les futures cartes. Et donc on espère que avec le temps, un jour ou un autre, eh bien elle recommencera à prendre un petit peu de valeur. Tout le monde connaît Star Wars. Voilà, c'est ça. Même des objets en édition limitée Star Wars, même une figurine par exemple, ça peut prendre de la valeur. Donc une carte graphique, ça peut que prendre de la valeur aussi. Donc voilà, il faut voir peut-être même dans 20 ans, peut-être qu'elle vaudra 5000 € ou peut-être qu'elle vaudra 50 €, tu vois, on sait pas. C'est ça. On aimerait bien faire vraiment une vitrine entièrement collector et en plus du hardware, du coup c'est quand même beaucoup plus sympa, et le partager avec vous. Donc vraiment, si ça vous plaît, si vous voulez qu'on continue, qu'on vous explique comme ça à chaque fois l'histoire de chaque composant, quoi, ce sera un plaisir. Comme d'habitude, le like et l'abonnement, et je pense qu'on va se dire à la prochaine. Allez, à plus.